Salut les humains et les humaines, ici le naturaliste intergalactique matricule. Je suis de passage sur la planète Terre pour voir les nombreuses formes de vie complètement schlag qui existent. Aujourd'hui par exemple, j'ai vu une bête qui a des mamelles qui servent de prise d'escalade. Schlag. Schlag nature. La nature, c'est gros schlag. Bon, je me suis bien sorti la dernière fois avec ces dangereux éco-terroristes, mais j'ai toujours peur qu'ils reviennent avec leur idée de soulèvement de la couette. Oh non, encore vous. Nous n'en avons pas fini avec toi. Mais c'est bon là, les chauves-souris, on a fait le tour. Pas du tout. Les chauves-souris sont un festival de bizarreries. Et tant de choses étonnantes sont à raconter. Mais là, il faut que je t'annonce que le sujet va être chaud. Je vous vois venir. Vous allez me parler des plus 2 degrés avant 2050 et du réchauffement de la couette. C'est bien ça, hein? Non, c'est pas ça. Disons que le sujet est peut-être un peu... Bon, comment dire ça? Est-ce que tu vois le point commun entre une chauve-souris sérotine, l'automne qui arrive et Rocco Siffredi? Oula, je le sens mal ta réponse. Laisse-moi t'expliquer tout ça et prépare bien tes oreilles. Attention! En fait, il faut que je t'avoue, le mâle sérotine que l'on retrouve partout en Europe, eh bien il en a une très grosse, tu vois, avec un beau bulbux en forme de cœur. Ah oui, la vache, ça fait presque un cinquième de sa taille. Et quand c'est le printemps, il se dit... J'ai tellement envie d'insérer mon zizi dans une vulve pour reproduire mon espèce. Mais il est si large que ça ne rentre jamais. Tu vois, chez les mammifères, c'est comme ça que ça se passe normalement. Ben alors comment il fait ? Faut bien que l'espèce perdure, quand même. Étrange, hein? Eh bien, la chauve-souris sérotine a un mode de reproduction tout à fait atypique. Comment fait-elle, à ton avis? Aucune idée. Eh bien, la réponse que je vais te donner nous prouve que le monde sauvage a bien plus d'exceptions à la règle qu'on ne le croit. Pour ce cas-ci, l'évolution a dit... Pose-toi sur le dos de la femelle en lui mordant la nuque et ne bouge pas pendant une heure. Puis tu poses ton gros zizi sur sa vulve sans jamais chercher à rentrer dedans. Et attends une bonne heure que tu éjacules. Le sperme, tu verras, se débrouillera ensuite pour aller là où il doit aller. Et ça, tu vois, ça remet complètement en question toute la compréhension conventionnelle de l'accouplement chez les mammifères. Ah oui, c'est ouf. J'ai entendu dire que ça existe aussi chez les oiseaux. Oui. C'est ce que l'on appelle un accouplement par contact, ou baiser cloacal. Mais pourquoi faire comme ça? Eh bien, les attributs de la femelle et du mâle semblent avoir coévolué dans une sorte de course à l'armement. Le pénis, s'allongeant en même temps que la membrane de la queue chez la femelle, est devenu au fil du temps impossible à utiliser pour la pénétration. Le vagin a donc perdu en utilité, et s'est rétréci. Et B? Mais fais attention! La femelle a un rôle important dans la sélection du géniteur. Oh oui, pardi. On reçoit beaucoup de sperme variés que l'on garde vivant en nous, tu sais. Mais c'est nous à la fin qui choisissons quel sperme le plus méritant fécondera l'ovule. C'est pas une masse à en faire. C'est vrai qu'elles ont un étonnant mécanisme interne qui leur permet de faire ça. On appelle ça la diapause embryonnaire. Comment ça, elle repousse l'ovulation pendant 6 mois? Eh oui. Comme l'accouplement se produit en automne et que leur gestation dure 1 à 2 mois, il serait très malvenu de faire naître leur unique petit à l'arrivée de l'hiver, tu comprends? Ce serait la mort assurée pour elles et leur petit. Du coup, elle s'est dit « Oh, je vais dormir un bon bout de temps et je verrai ça plus tard. Quand ça commencera à faire meilleur, je démarrerai la grossesse. » Et c'est ainsi que la femelle conserve soit le sperme durant toute l'hibernation, et la fécondation a alors lieu à son réveil, lorsqu'elle libérera un ovule, soit l'ovulation et le développement précoce de l'embryon ont lieu avant l'hibernation. Et c'est ensuite que l'embryon cesse de se développer, et il reprendra son cycle lorsque la femelle redeviendra active. Ah oui!
C'est donc à leur réveil, à l'arrivée du printemps et de la sortie des insectes, qu'elles entament enfin leur gestation. C'est le moment où il y a plein à bouffer pour s'occuper du petit. Pas bête, la bête. C'est ça. Et une fois qu'elle a les yeux grands ouverts, elle va où s'occuper de sa gestation? Durant le printemps, les chauves-souris femelles cherchent un gîte et se regroupent en colonies pour accoucher d'un unique petit. Elles font ça la tête en bas. Et B. Elles se tiennent loin des mâles et élèvent tout ensemble leurs jeunes de juin à août. Et vous savez, des fois, on se file des coups de main. C'est vrai, ça. Pour protéger ses enfants, la Mignoptère de Schreiber, par exemple, possède un comportement d'échange social particulièrement développé qui se rapproche beaucoup de ce que peut faire un mammifère tel que l'humain. Est-ce que tu as une idée ? Excusez-moi, en tant que digne représentante de la chauve-souris Mignoptère de Schreiber, est-ce que je peux me permettre de répondre à cette question ? Oui, bien sûr. Eh bien, il s'avère que parfois, je confie ma progéniture à une femelle voisine, pour qu'elle s'en occupe pendant que je pars à la chasse aux insectes. C'est ça. Elle fait comme ce primate d'humain, qui lui n'a pas peur de confier ses enfants à d'autres humains mâles ou femelles, afin de pouvoir aller travailler. Cependant, chez la Mignoptère de Schreiber, c'est la femelle qui confie sa progéniture à une autre femelle durant la période d'éducation en été. Alors que chez l'humain, cela peut être autant par l'homme que par la femme. Plus c'est vivant, plus c'est bizarre. Bon, c'est quoi cette histoire de chauve-souris femelle qui a des mamelles qui servent de prise d'escalade ? Eh bien, c'est une fois de plus une magnifique étrangeté de leur biologie. Cela se passe chez les chauves-souris rhinolophes. Wow! Oublie pas de préciser qu'il y a deux grandes familles de chauves-souris. Il y a les vespertuillons et les rhinolophes. Sinon, on comprend plus rien à votre truc. Bon, je me retourne me coucher. Oui, alors, chez les grands et les petits rhinolophes, leurs mamelles ont un double rôle. Parmi les deux paires de mamelles rhinolophes, une paire n'est pas fonctionnelle et a pour seule fonction de permettre aux jeunes de s'agripper à leur mère. Oui, c'est hyper pratique, hein. La nature, c'est vraiment trop le bazar. Merci de m'avoir expliqué tous ces merveilleux comportements de la chauve-souris. Oui. Malheureusement, je ne vais pas te faire le même refrain que la dernière fois. Mais ces bêtes restent encore mal aimées, alors qu'elles sont inoffensives et terriblement hors normes dans leur manière de vivre leur vie de mammifère. Tu crois qu'un jour les humains arrêteront d'avoir tout le temps peur et de s'estimer comme les meilleurs ? Je ne sais pas, mais ils ont un gros travail à faire. Tu devrais voir d'autres planètes, c'est beaucoup plus intéressant ce qui s'y passe. Je sais, mais je sens qu'il y a moyen de voir les choses un peu plus loin. Je te remercie en tout cas. Finalement, je vous trouve plutôt sympa le soulèvement de la couette. Vous êtes des mal-aimés comme les chauves-souris, alors qu'en fait... vous êtes inoffensif. Je te laisse. Nous avons du pain sur la planche. À très bientôt, peut-être. Salut tout le monde. Passez me voir quand vous voulez.